Bonsoir Alexandre. Bonsoir Vincent. Bienvenue sur Les Apprentis Reporters. Nous avons voulu en savoir plus sur les jeunes et leur comportement lors des soirées. Ont-ils vraiment besoin d'alcool pour s'amuser? Et présentent-ils des comportements risques lors de ces sorties entre amis? Un reportage d'Apprentis Reporters. Comment se passent vos soirées? Alors moi, mes soirées, ça se passe en général chez moi ou chez des amis, ou alors à l'extérieur. Et on passe nos soirées à fumer, parce que pour nous c'est un plaisir et que ça détend. Et sinon, on parle entre nous, on rigole et on va quelquefois dans des bars pour boire un coup. Des soirées entre potes, généralement organisées, après ça dépend. Alcool, entre potes, après il peut y avoir de la fumette, ça dépend qui fume. Enfin, c'est plutôt rare, c'est plutôt alcool. Ça va être en été, quand il fait beau et tout ça. Généralement, il y a une piscine, on s'en sort que. Après, c'est pareil, ça part. C'est pareil, c'est alcool. Après, c'est chacun son délire, chacun boit à la vitesse qu'il veut. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. Après, c'est. On se retrouve avec des potes, on bouge en ville. Ça dépend. Ou soit j'arrive directement en ville et je vais voir des potes, on va boire un coup. Et après, voilà, ça dépend en fait. On prévoit pas ce qui se passe à part quand c'est une soirée premier dedans, chose comme ça, sinon on prévoit pas. Enfin, ça arrive ce qui doit arriver. Est-ce que vous allez en boîte de nuit des fois? Ouais, assez souvent, ouais, ça va. Et est-ce que dans ces soirées-là, il y a de l'alcool? S'il n'y a pas de. Enfin, pas d'alcool en boîte de nuit, bon, voilà. C'est un peu frustrant, ça. D'accord. Et vous y allez comment en boîte de nuit? En voiture. Et vous avez un sable? Ça dépend. Ça dépend. S'il y en a qui se sentent chauds, ils sont plus chauds quand ils sont un peu bu, ils sont plus chauds pour conduire, mais bon. Souvent je rentre de mon côté en scooter. Est-ce que t'as déjà pris la route en ayant bu? Ouais, ça. Plusieurs fois même. D'accord. Tu connais les risques, je suppose. Ouais, mais ça va, mais si je dois tuer quelqu'un, ce sera moi. Enfin, je veux pas tuer quelqu'un d'autre, quoi. Si... Je suis super parano quand je suis un peu. Je suis assez parano sur la. Tu conduis bien quand t'as bu, quoi. Pas que je conduis bien, c'est que je suis prudent en fait. T'es plus prudent. Ouais, je suis. Si je me casse la gueule, quoi. Ou t'as l'impression. Ouais, j'ai l'impression, je trouve, je conduis comme un. Comme un connard. Moi, mes soirées entre potes, ça se finit à la chicha. Enfin, ça fume, ça boit, et puis voilà. Ouais. Enfin, ça. Ah, moi je bois pas, c'est pas bien. J'aime pas boire, c'est pas du tout mon délire. C'est quoi ton délire alors? Je sais pas, ça dépend avec qui, mais. Généralement, y a pas. C'est là, genre. Ça dépend avec qui je suis, mais. Dès qu'il y a des choses à fumer, ouais, ça part là-dedans. Mais sinon, non, c'est pas. Pas quotidiennement, on a rien. J'achète pas, dès qu'il y a, profite et c'est tout. Ouais, mes soirées, c'est-à-dire très rarement. C'est plus à la pizzeria avec des potes, vraiment entre amis, tout en plus quoi. Il n'y a pas d'alcool, on fume pas, et puis c'est tout quoi. Bah, moi je suis en foyer donc c'est chaud, tu vois. Je dois me cacher, mais après il y a toujours du pétard ou de l'alcool. Bah, ça dépend comment je suis dans la journée, si j'ai bu ou pas. Et après, le soir, on s'éclate, on boit, on chante ensemble. C'est ça qui est marrant. Puis après, Ils dansent sur la danse des sardines. Voilà. et pourquoi vous faites ça? Passer un bon moment, tu vois. Sinon, je suis un peu chié, donc parler. Sans plus. Ça vous sort de votre quotidien? Ouais. En fait, l'addiction, pour moi, c'est une sorte de mini-maladie. En fait, c'est un truc qui peut se soigner, mais qui va être difficile à se soigner. Parce qu'en fait, l'addiction, pour moi, c'est... On peut plus se passer quelque chose. Par exemple, les jeux vidéo, quelqu'un qui va être addict aux jeux vidéo, en fait, il n'aura plus trop de vie sociable. Mais quelqu'un qui accro au cannabis, il peut encore sortir. Mais une fois qu'il est dans son monde à lui, en fait, et ça va être difficile. En fait, c'est comme être libre, mais prisonnier en même temps. Donc tu peux plus te sortir de ta sphère, t'es bloqué. Et en fait, pour s'en sortir, faut... Je sais pas comment on s'en sort, peut-être avec un psychologue ou je sais pas, mais... Je sais qu'on peut s'en sortir, mais c'est quelque chose de dur.
Mathieu, tu sais peut-être causer l'addiction, hein. Bah ouais, l'addiction, c'est quand on est accro à quelque chose, genre un truc. Genre la nicotine, truc comme ça. C'est quand, même si ton corps, il en a pas envie, mais t'es quand même obligé de le faire vis-à-vis de certaines choses. Exemple, si un mec il vend de la drogue depuis quelques années et qu'il veut arrêter, il va se rendre compte qu'il va être obligé de continuer à vendre parce que quand il va se lever le cul le matin pour aller travailler à McDo et se faire 1000 euros, c'est impossible pour lui de se dire ouais, je vais me lever tous les matins, faire 35 heures par semaine pour juste me faire 1000 euros alors qu'en 3 heures je pouvais le faire en 3 heures. Donc pour lui ça va être super dur à accrocher, donc ça c'est une addiction qui va être bloquée dedans. Le truc, c'est que l'addiction, fallait l'enlever direct, mais en amont. Genre, un gars, s'il est défoncé, il se dit ouais, il est pas maître de ce qu'il fait, mais avant d'être défoncé, il peut se dire ouais, si j'ai envie d'arrêter, je vais arrêter. Mais sauf que s'il est déjà pris dans le cercle vicieux, bah c'est un peu trop tard. Les jeux vidéo. La drogue. C'est les jeux vidéo. Moi, je pensais plus au cul, t'as vu. L'addiction est un besoin qu'on se crée, qu'on n'a pas forcément besoin corporellement parlant. Ouais. Bah, moi je suis pas d'accord parce que si t'es addict, ça veut dire que c'est ton corps qui réclame. Vous avez des addictions vous? La clope. Moi je pourrais pas m'arrêter si c'est sûr. Il y en a plein ici qui sont addicts. La console aussi. Ouais. La console. Addict. C'est un addict de la console. Eux deux, je verrai comment ils jouent. C'est un rageux. Un mec rageux et de. Des putains de gros. Bah par rapport à être addict, c'est un manque de liberté en fait. Et toi t'es addict à quelque chose? Ouais, j'aime bien les jeux vidéo. Et tu peux t'en passer ou pas? Ouais, ça m'arrive, ouais, mais bah genre quand je suis au CFA, ouais, non. Si. Tu ramènes ta console ou pas? Ouais, mais bon voilà, c'est entre potes, c'est des délires quoi, c'est pas. Mais chez moi, ouais, je peux m'en passer. C'est quand on peut pas s'empêcher de faire quelque chose, on peut avoir une addiction à n'importe quoi. Par exemple, la clope, la drogue, même le sport maintenant c'est une addiction. Il y a les jeux vidéo qui passent en compte, une addiction pour tout. Donc, au final je dirais que c'est quand on est conditionné dans quelque chose, quand on se met dans une optique et qu'on veut pas en changer. Non, je pense que l'addiction c'est quelque chose de plus relié à la dépendance en fait, et du coup au psychologique, enfin, c'est quelque chose qu'on peut pas se passer. Pas quelque chose dont on veut, quelque chose vers quoi on veut aller, mais quelque chose dont on est obligé. On se sent obligé à travers justement cette addiction à être. On est dépendant en fait de l'objet, de réaliser ou de la chose en elle-même, voilà.